Ça marche. On est charogne. Un bel de finis. La face avant. Les seins avant. Mon vagin avant. Mon corps avant. Charogne, en fait, c'est dans quand même le vieux québécois, c'était un insulte. C'est moins utilisé dans notre génération, mais c'était vraiment comme dans la génération de nos parents, là, donc là, peut-être 40 ans, 50 ans. Puis c'était comme t'es un peu une fille de mauvaise famille, t'es une fille qui couche à gauche, à droite, donc c'était vraiment comme un insulte pour dénigrer la femme. Si on pouvait le dire d'une manière propre pour nous, c'est une fille qui a ses propres choix sexuels, effectivement. Mais pour les hommes, ils font une insulte de ça. T'sais, t'as le droit de coucher avec qui tu veux. Enfin, il y a des gens qui comprennent pas un peu le nom, puis sont comme, mais pourquoi vous êtes pas des charognes? Non, on est comme, ouais, on est des charognes parce que comme, on s'habille comme on veut, on parle fort comme qu'on veut, puis on fait ce qu'on veut, puis justement, on sera pas pris ce comportement-là de sale. T'sais. Moi, c'est Chloé Pigeon Edwards. J'essaie de parler dans le micro. Puis je joue de la basse. Bientôt, je vais faire ma première orgasme. C'est, ouais. C'est tout. Moi, c'est Catherine Jeanne d'Arc Morissette. Puis voilà, je chante, je joue de la guitare. D'être aussi expressive, d'être sur scène, de dire tout ce que je pense, puis de crier, puis de faire ce que je veux, ben, ça fait en sorte que ça dit à d'autres personnes qui peuvent le faire aussi. Puis ça, je trouve ça nice. Sarah Blair, and I play drums. Je suis Sarah Drouin puis je joue la guitare. Est-ce que vous entendiez bien les paroles? Tu peux me dire ça parlait de quoi? On avait parti un band de filles, au début on faisait des covers Riot Girl. Riot Girl c'est un mouvement beaucoup qui est parti aux États-Unis, un mouvement de filles dans le punk dans le fond qui voulait se réapproprier un peu la scène, l'espace. Dans les milieux rock ou metal, c'était vraiment quand même le stéréotype genre des gros mecs justement puis... Riot Girl, there's a bit of jazz, there's a bit of progressiveness, we're trying to keep an open style. Rap too. Yeah, there's some rap in a song that's very distortion heavy, so it's like grunge. An interesting mesh. Yeah, the song is like grunge and rap. Comme là, notre prochain album, on veut vraiment le penser vraiment plus longtemps. The next album is gonna have a lot more instruments in it. We're gonna have acoustic guitars, nylon guitars, mandolins, harmonicas. We're trying not to tie ourselves down to just one genre too. We want to try different things with the same message, but different things. Depuis le début, quand même, une des revendications que j'aurais me fait penser, ça a été un peu de briser l'image négative associée au féminisme. Puis c'est sûr qu'on a voulu, justement, on s'est dit, on va s'afficher en tant que féministe parce que ça nous valorise, puis on trouve ça triste les femmes qui sont comme, oui, ça me tient à cœur les droits et libertés de la femme, mais je veux pas m'associer avec ce mouvement-là. C'est toujours ça qu'on entend, tu sais. Moi, j'ai dû moi, tu sais, je suis barmaid depuis un bout, puis j'ai dû m'assigner dans mes jobs, tu sais, à dire à mes collègues, genre, tu comprendras jamais ce que c'est que de te faire regarder, genre, pis d'avoir peur, genre. Te faire regarder par un client qui te regarde, genre, de haut, genre, pis qui dit, genre, qui dit des affaires, te regarde avec des yeux, genre, de débile, pis d'avoir peur, genre. J'arrive de plus en plus à dire aux hommes qui me disent, ben non, c'est pas si pire, je suis comme... Tu l'as pas vécu,
de quoi c'est pas pire, tu sais, comme, tu sauras jamais c'est quoi la peur, dans le fond, t'sais. Tu sais, tu la vis pas, cette peur-là, genre. It is annoying, though, when, like, guys like to speak for us and, like, tell us how we should feel. Tell us, like, to get over it or, like, just to toughen up and deal with it when they have no clue what it's like. Parti avec mes chums de filles. Ça coûte pas cher quand on sort en ville. Inquiète-toi pas, chérie, pas de bêtises. Je te donnerai pas la chance de me tu me dis. Je connais pas qui te Marchand d'un pain, Québec City. Ça mérite d'applaudissements.